Je suis le docteur Robert Larsonneur et je vais vous parler des encres et des ancrages. Alors, je suis le dirigeant de France PNL et de France Hypnose Formation, et la description donc de encre et de ancrage rentre dans le cadre du lexique que je développe sous une forme vidéo. Alors, qu'est-ce qu'un ancrage? Un ancrage, en fait, c'est une technique qui consiste à poser une encre. Alors, une encre, du coup, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un stimulus, tout simplement, qui déclenche de façon automatique toujours la même réaction. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, par exemple, d'entendre une musique que vous avez entendue dans l'enfance et qui avait fait venir chez vous de la joie. Eh bien, le simple fait de l'entendre fait revenir de la joie. Eh bien, c'est une encre, mais là, c'est une encre auditive. Évidemment, il y a d'autres formes d'encre, comme une encre visuelle. Vous voyez quelque chose que, par exemple, un gâteau ou quelque chose, et ça vous fait saliver, eh bien là, c'est une encre visuelle. Alors, on utilise en PNL, en fait, la technique d'ancrage, donc pour poser des encres, et des encres kinesthésiques. Alors, il y a plein de techniques d'ancrage, hein, que ce soit l'ancrage de ressources en contexte, l'auto-ancrage de ressources, etc. Et ce sont des techniques vraiment très intéressantes pour faire venir une émotion efficace dans un contexte donné. Voilà. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos sur d'autres mots du lexique de la PNL. Et je vous rappelle nos deux sites, France PNL Formation et puis France Hypnose Formation.